m'appelle Jouara. Je suis née à Fès, au Maroc, en 1947. De nationalité algérienne et de nationalité française par mon mari. Ma maman est marocaine, mais mon papa est algérien. J'ai vécu d'abord au Maroc. Après, j'étais obligée de rentrer en Algérie pour travailler. Je suis restée quelques années en Algérie et repartie au Maroc. J'ai travaillé à l'ambassade d'Algérie au Maroc pendant 10 ans. Après, je suis repartie en Algérie avec toute la famille. Mais j'ai travaillé un petit peu dans l'administration algérienne et après chez Total Algérie. Une amie m'a proposé de venir en France. En 1993, j'ai connu mon mari qui était chez Total lui aussi. On s'est mariés très vite. On a eu quand même quelques difficultés pour se marier. C'était le temps de Pasqua. Ce n'était pas un mariage blanc, c'était un mariage d'amour d'ailleurs qui a duré et qui dure toujours. Et une fois à Paris, c'est différent. J'étais au chômage et c'est là où j'ai passé une année de cuisine de CAP dans une grande école. J'ai travaillé dans 2 ou 3 restaurants à Paris. Après, il y a mon mari qui a eu sa retraite et il ne voulait plus rester à Paris. Et c'est comme ça qu'on a atterri à Montpellier en 2000. On a acheté une petite maison à Pignan. C'était un petit village qui était trop calme. Je veux connaître des gens, je veux sortir, je veux m'amuser, je veux connaître du monde et tout. On a décidé de vendre cette maison pour s'installer à Sète définitivement en 2003. À la première fois que j'ai vu Sète, j'étais émerveillée. Je ne m'attendais pas. Quand on rentre à Sète et on voit ces petits bateaux un petit peu, ça a beaucoup de charme. Après, en centre-ville, les grands, les tonniers et tout ça, c'est impressionnant aussi. Et puis les Sétois qui sont très bien. Dès qu'on les connaît, dès qu'ils vous connaissent, ils se donnent à fond avec vous. Et on a commencé à penser, à acheter ici, à faire beaucoup de projets. C'est, pour moi, tiens, j'ai dit, c'est la petite Venise. Et un jour, en me baladant à Sète, on a découvert les Halles, on est rentré aux Halles et c'est là où j'ai vu une pancarte à vendre. J'ai appelé la personne et j'ai pris cet étal et puis je me suis mise à faire le couscous. Au Hall, je suis restée 6 ans. Et des fois, je faisais la cuisine sur place. Souvent, je faisais la cuisine à la maison. J'avais beaucoup de monde. Hein. Je faisais le couscous, les pastillas, les pâtisseries orientales, des petites salades orientales, le pain arabe, les msemen. Je faisais aussi des tagines. J'étais vraiment connue par mon couscous. C'était vraiment ma vie de couscous. Cette période m'a aidée à connaître beaucoup de monde à Sète. Parce que quand je suis venue, je ne connaissais personne. ليل طويل ما عنده نهاية وشمعي قليل ولوني سحدايا ودمعي سيل روحي وهوايا وشمعي ياهيل ولوني سمعايا. Florian m'aidait beaucoup. À la maison, il m'aidait. Et surtout pour les transports, c'est lui qui faisait la navette entre la maison et les Halles. Il tenait la caisse. Et surtout, il m'aidait beaucoup pour faire les courses. Ça, c'était pas une petite affaire. Hein. Pour m'agrandir, j'ai pris un autre étal. Je me suis fait un petit restaurant qui avait beaucoup de succès. C'était super bien pour les gens. Mais pour moi, comme moi, je suis plus cuisine que finance. Je me faisais plaisir, je faisais plaisir aux clients, mais mon portefeuille boudait tout le temps. Entre le Maroc et l'Algérie, elle est métissée. Un mariage, tu travailles, c'est une femme émancipée. La joie de Zohara est un joyau trop rare. Elle ment si peu, l'humanité se lit dans son regard. Pour gagner sa croûte, elle met les petits plats dans les grands. Du couscous, des tagines, du douaise à toutes les sauces. C'est une battante. Et en même temps, elle est française et maghrébine, c'est ça qui fait sa force. Janvier 2010, j'ai pris ma retraite. Je suis toujours dans le domaine de la cuisine, mais différemment. Je fais du bénévolat avec l'association des femmes du soleil, Mbarka. Je donne aussi des cours de cuisine aux femmes de l'île de Taux. J'aide comme je peux, parce que ce n'est pas facile. Ce qui me fait le plus un petit peu mal, c'est que quand j'étais au Hall, les maghrébines ne venaient jamais vers moi.
Oui, c'est vrai que pour elle, le couscous, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'était quelque chose qu'elle vienne vers moi, qu'on discute, qu'on parle de notre culture. Quand j'ai arrêté la cuisine, j'ai découvert l'association de Mbarka. Et puis c'est elle qui m'a introduite, mais vraiment bien, à l'île de Thom. Je suis très contente d'avoir connu tout ce monde, parce que c'est un monde très riche. C'est des femmes qui sont très riches, qui donnent beaucoup. Moi, je suis Jouara, avant tout. Moi, je ne me sens pas du tout immigrée. Moi, je suis bien intégrée, je suis bien dans ma peau. Je ne pourrai jamais l'oublier, le Maroc, c'est ma terre. L'Algérie aussi, c'est mon pays parce que c'est mon sang. Ma ville est cette. J'ai beaucoup de souvenirs, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances. Et mes enfants sont là, à Sète, ils se plaisent. Ma famille, si elle veut, elle vient me voir. Hein. Moi, je reste. Pour l'instant, je reste. Toujours positiver. Quand on est négatif et tout, c'est très très mauvais. On n'aboutit à rien. La vie est très très belle. Il suffit de savoir la comprendre, c'est tout. Il faut avoir le courage de l'affronter et avec beaucoup de sincérité. C'est toi ma richesse. De la pointe au quartier haut, de la plagette au Mont-Saint-Clair, du Parou à l'île de Thau, de la corniche au château vert. J'aime emprunter les ponts comme on emprunte le souffle à la vie. C'est toi ma richesse. Je suis pas né ici. Mais qu'importe où je me pose, ça crue, ça pend, me rappelle quelque chose. Un jeune debout ne verra jamais mieux que la version. Ah. Qu'est-ce que c'est le français d'origine? Un peu italien, un peu portugais, un peu espagnol et arabe. C'est-à-dire un mélange, il s'appelle français. 14 à pas 7. Parce que ça m'appelait, mon sang chez moi. C'est que je finis ma vie, à 7. Et quand on est aimé, il y a tout qui vient. Il y a la paix. Il y a l'intelligence, il y a tout. Si tu veux être efficace dans la vie, on dit en anglais, il faut que tu do the right thing. Il faut que tu ailles au bout. La vie est très très belle. Il suffit de savoir affronter et avec beaucoup de sincérité. On sait où on est, hein, c'est pas bon. Hein. Qui le sait? Les anciens peuvent nous donner des leçons de vie. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qu'on détruit. La sagesse s'acquiert peu à peu et avec l'âge. Agrandit l'horizon et donne une vision plus large. Nos pères ne montrent pas leur peine, assument leur choix. C'est pour ça qu'à table, ils ont la place du roi. Nos mères sont des reines, si peu couronnées. Et sans aucune condition, elles savent nous aimer. C'est toi ma richesse, je pourrais en faire des preuves. Car j'aime cette ville qui m'a vu vieillir, construire ma vie et me battre pour chaque petite chose. À l'heure du bilan, j'aurais tellement à dire. Tout en haut du Saint-Clair, j'ai la vue sur les temps. Et je sais qu'il est temps d'aller voir la mer aussi souvent que je peux. Et sans être amer, aimer, chérir, apprendre à donner tant que je suis vivant. Attaché par le soleil et ses terres du sud, comment te dire qu'on est bien à cette l'île singulière, son accent et toutes mes habitudes. On apprend tout, mais surtout apprécier les choses simples. On aime la vie, même si j'ai travaillé trop dur. J'y bénis, et je suis toujours un gosse, certes.